Achetez vos jeux beaucoup moins cher sur g2a.com, le lien est dans la description de la vidéo. Salut tout le monde, c'est Zor, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rust, et pour cette vidéo je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Shorito, salut à toi. Salut. Donc durant cette vidéo on va vous montrer un petit peu, on va améliorer le dernier étage, on va juste mettre une petite terrasse, on va faire pas mal de trucs. On va aussi mettre des digicodes, on a récolté du fer avec nos pioches etc. Qui sont en train de cuire dans deux fours, d'accord, donc on va attendre que ça cuise. On a donc des digicodes, on a aussi un grand four à craft, parce qu'on a ouais. Des VP. Malheureusement, c'est vrai qu'avec la mise à jour, on ne peut plus mettre les grands fours sur les maisons, c'est beaucoup trop lourd, donc il faut les mettre à l'extérieur quoi. On avait l'idée de le mettre en haut, c'est pour ça qu'on avait fait les échelles, et puis du coup on s'est rendu compte que ça serait pas possible sur... Et puis le petit récolteur, non c'est la petite raffinerie, voilà. La petite raffinerie aussi, je peux la crafter, mais du coup, on peut pas la poser aussi, donc on laisse tomber et puis on va servir de ça pour avoir une belle vue en plus, on va dire. Ouais, tu mets une porte? Je sais pas, tu penses que je mets une porte ou... Ouais, vas-y, on met une porte. Ouais. Attends, plutôt casse et on a qu'à mettre des piliers, comme ça au moins ça nous fera un petit truc en haut. Ah ouais. Okay. Vas-y. Voilà. Heureusement qu'on est des riches en bois. On n'est pas si riches que ça, faut faire attention parce qu'on a des trucs à crafter encore, donc on doit pas non plus tout casser. Ouais, bah surtout que ça coûte cher le grand four. Ouais, le grand four il coûte cher. Ah donc, mince, tu t'en as pas mis ici. Hop. Bah si, attends, pousse-toi, ah c'est bon. J'ai cru qu'on allait encore avoir le problème avec la stabilité non, là. Non, on est sur la base de. Oh, c'est chiant ça. Heureusement que non. Clairement, si on se fait assaut, on pourra très bien se réfugier ici. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, attends. Par contre, on va donc fermer, sauf que. Attends, on est obligé de mettre les piliers au milieu. On est obligé avant. Attends, hop. Alors, attends. Voilà. Un sol. Voilà. Parfait, on recouvre. Attends, parce que fais gaffe parce qu'il y a un côté où faut. Moi je sais. Ah bah voilà, c'est ici. Celui-là que t'as posé. Alors attends, je vais le faire. Ah bah d'accord, c'est bon. Ok, là maintenant on met des trucs triangulaires. Vas-y. Voilà. Donc ça, on va l'améliorer seulement en bois. En bois. Ok, donc là on va améliorer tout ça maintenant en bois. J'ai pas de bois, par contre j'ai de la pierre. Donc. Ouais. Je mets toujours les piliers en pierre, hein, pas en bois. Ok. Voilà. Ah, je l'ai mis en bois. Allez. Voilà. Bois. Mais il faut que j'arrête d'appuyer à chaque fois en haut. Je vais directement au milieu, ça suffira quand même. Milieu en bois. Hop là. Ok, bon. Voilà, comme c'est ça, bon. On a une petite terrasse. Ça non, le toit. Mais pourquoi tu pètes les piliers? Parce que on a pas besoin et ça gêne plus qu'autre chose. Ok, vas-y. Quand on se tape contre les poteaux, ça roule. Pourquoi c'est en pierre ça? De quoi? Pourquoi c'est en pierre ça? Merde, j'ai dû me tromper sans faire exprès. Ok, bon, on va reconstruire. Ah, bah j'ai plus de bois, faut que j'aille en chercher, c'est pour ça que j'ai plus. Non, mais c'est bon, je l'ai amélioré. C'est bon? Ok, ouais, faut améliorer le toit aussi, mais ça on l'améliorera plus tard, c'est pas. Non, ça me fait. En fait, en gros, ça me fait 10 digicodes à faire. Ouais. Waouh, ça commence à faire cher. Bah, ouais, 1000 de métal et 4000 de bois. Ouais, donc bon, c'est le bois encore, ça se récolte assez rapidement. C'est pas ouais, ouais, le métal, bah regarde, j'ai fait 4 ou 5 rochers, j'ai déjà eu 1100 de métal. Ah, bon, bah ça va. Et 1200 de soufre, environ, je crois. Ok. Bon, il nous faut combien pour le four là? Pour le four, c'est 500 de pierre, 100 de bois. Ah, mais ça, il bois, si ça. Ah ok, alors c'est moi qui dois crafter le truc de faible qualité, le carburant. Oui, c'est ça. Il me faut du tissu. Mais j'allais dire qu'on ça aurait été utile d'avoir la petite raffinerie de pétrole parce qu'elle coûte pas extrêmement cher, disons. Mais de toute façon, on n'a pas d'airfield, on n'a rien à côté. Donc pour avoir le pétrole, il faudrait avoir la je sais pas comment ça s'appelle. Attends, je vais récupérer la cale qu'on avait trouvée dans le baril là. J'appelle ça la quarry, mais clairement la quarry, c'est ce craft là, je l'ai pas, j'ai que j'ai que les animaux pour faire le
Attends, mais chevalet. Carburant. Attends, chevalet de pompage. Extrait les minerais du sol, utilise une charge d'indication. Hein. Ouais, d'accord. Non, j'ai pas pour le pétrole, moi j'ai pour la pierre, le. Non, de métal et tout. Ok, mais de toute façon, là j'allais tuer des animaux parce que j'ai besoin de peau. Vas-y, bah moi je vais retourner. Les carburants de faible qualité, je vais pas en avoir assez. Donc... Je sais pas combien on a de métal, mais je pense que je vais vite fait faire une pioche et une hache pour nous deux. Ouais. Parce que ça devient chiant les outils en pierre. Bah, on a son on en a 161, donc c'est bon. Ouais, alors. Ah, ok, d'accord, c'est 100 bois. Ouais, bon. On le mettra dehors le four, hein. Je sais pas encore où on va le placer. Mais... Ouais, je regarderai, t'inquiète. Ouais, et... la maison, elle est, ça, elle est jolie. Franchement, là, ouais. J'ai 39 de carburant de faible qualité. Bon, c'est pas mal. Donc là, on est parti pour la chasse. Au pire, si c'est trop long, je ferai une. Bon, j'en profiter pour récolter. J'ai perdu le craft. J'ai trop de craft, je l'ai perdu, j'arrive pas à trouver. Merde. Ah non, mais je m'y perds, c'est... il y en a trop. Hein. 500 pierres, 600 bois, 75 carburant faible. C'est 75, pas 72. Hein. C'est combien 75 carburant. Bon, d'accord. Bon, je vais faire les 600. Je vais faire les 600 de bois là et. Là, et on va. Et on va crafter ce four avec vous. Ouais, parce que le fer va cuire déjà beaucoup plus rapidement, ça va être nettement mieux. C'est surtout une question de la quantité en fait, qu'on en mette plus. Hein. Oui, aussi. Cure plus rapidement, ça je suis pas sûr. Si, ça cuit plus rapidement, ça j'ai remarqué. Ah, pour moi c'était juste la quantité. Ah, ok. Bon. Je sais pas du tout. Pierre. Oh là là. Je vais pas, faut que je me recrafte encore une pioche parce que je vais pas en avoir assez. Quand je prends du bois, je vais t'en crafter des objets en fer, j'ai les craft. Non, je peux me faire une pioche en métal, il me manque juste du 50 métal, je vais aller en chercher une. Et je vais me faire une pioche en métal parce que... Vas-y. Et pour la hache en fer, je te la fais, j'ai le craft aussi. Ah, ok, bon, c'est cool. La pioche, de toute façon, t'as le craft, donc c'est bon. Ça fait du bien de retrouver des outils en métal parce que la pierre je suis pas habitué. Hein. Bah attends, tu récoltes moins de ressources déjà et c'est... Ouais. Et puis ça se fait plus rapidement. Aussi. Un truc à savoir pour ceux qui savent pas, c'est quand vous réparez vos items, ils se cassent beaucoup plus rapidement à chaque fois de les réparer. Arc, par contre. Voilà, c'est ça. Arc, parce qu'en gueule, j'ai réussi à lui apprendre ça. Oh, c'est magique, j'ai déjà 1500 de bois. J'ai fait deux arbres. Alors, hache, hop, c'est bon. Donc, du coup. 600 de bois, s'il te plaît, je vais crafter le four. Ouais, bah tiens, j'allais le faire, mais vas-y, tiens, je t'envoie le bois. C'est combien de pierres déjà? Tiens, non, la pierre, c'est 600. 500. 500, donc. 500, je t'ai balancé le bois, il est à tes pieds. Ok. Ok, bah c'est bon, moi j'ai juste assez. Allez, go, on va crafter le four. Voilà. Je sais pas combien ça dure, je crois que c'est 3 minutes, donc si tu veux fais une ellipse en attendant. Bah de toute façon là ma pioche est en train de crafter, en attendant je vais piocher. Ouais, dans 30 secondes tu l'as. Ouais, le four est en train de se crafter. Au moins ça nous laisse le temps de réfléchir pour l'endroit où le mettre parce que j'ai pas envie qu'on le mette n'importe où quand même. Ouais, ouais bien sûr. Ouais. T'as la hache qui est en train de se craft là, non? Ouais, 14 secondes. Ok, bon. Ouais. On ferait mieux de mettre le four avant la nuit, non? Allez, or. S'il vous plaît, dites-moi que je ne suis pas le seul à avoir regardé le matin, vers 6h, 5h du matin, des épisodes de chasse et pêche à cause d'insomnie ou autre. Je pense que je ne suis pas le seul, sincèrement. C'était une des seules émissions le matin
quand on se faisait chier ou qu'on n'arrivait pas à dormir, c'était le truc qui nous sauvait. C'était hypnotisant ce truc, mais vraiment. Même moi qui ne chassais pas, qui ne pêchais pas, je regardais quand même. Parce que j'avais vraiment rien d'autre à faire. Dites-le moi en commentaire, je pense que. Peut-être que ceux qui ont 13-14 ans ne connaissent pas forcément ça, mais ceux qui ont entre 18 et 22 ans, ceux qui ont mon âge, je pense que vous avez connu ça sur TF1. C'est fort plausible. C'est pour ça que j'avais envie de faire un petit clin d'œil par rapport à ça dans la vidéo. Quand tu connais pas quelque chose, quelqu'un te l'apprend, là tu t'en rends compte, et là comme par hasard sur internet, tu fais que tomber sur des trucs comme ça après. Ouais. Là par exemple. Ouais c'est vrai, non mais je connaissais pas Bataille Royale, ils m'en parlent, du coup je vais regarder sur un serveur, donc ça existait. Et puis du coup sur YouTube, je tombe sur des youtubeurs qui ont fait des Batailles Royales sur Rust. Or que ces youtubeurs je les suis et je m'étais jamais rendu compte que il y avait ça quoi, donc c'est étonnant. Ouais, faudra que je teste. 3, 2, 1. Ok donc c'est bon, on a trouvé un endroit pour mettre le four, donc je sais pas du tout où il a posé. J'espère que je te fais confiance. Mais c'est le caca pour le mettre, mais t'inquiète, attends, je suis en train de... C'est le seul endroit parce que là-bas je veux mettre les... Voilà. Bon, c'est pas. Bah, autre. Bon. L'emplacement est pas super, hein. Je pense que c'est vous avez ça. Remarqué, mais on n'a pas vraiment le choix en fait. On peut pas faire autrement donc. Que là on a fait de la place, mais ici franchement il y a aucun moyen de le mettre. Ouais, c'est n'importe quoi. De toute façon, mieux vaut l'éloigner de la base parce que la base aurait été mauvaise. Parce que déjà faut mettre les pics et tout. Et puis de toute façon, ça leur aurait fait un moyen de monter en fait, clairement. Ouais, en plus, non. Donc voilà, ici c'est pas grave. Ce qui m'énerve, c'est qu'il est éloigné de la base, mais c'est pas grave. On fera avec. Allez, on va faire. Pourquoi t'as mis. Attends, what the fuck, c'est quoi ce délire? J'ai rien mis dedans. Non, mais je paye des ressources qui seront placées, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Par contre, j'en ai à mettre, ouais. Et bon, le fer est en train de cuire. Bon, voilà, comme on vous l'a dit, c'est pas très très bien placé, mais en même temps, on peut pas non plus le mettre à 15 km, c'est pas possible. Le seul endroit qu'on. Déjà là, c'est trop loin alors. Déjà que là, c'est un petit peu loin, et en plus, qui plus est, c'est pas droit, c'est franchement, c'est vraiment la galère quoi. Mais bon, c'est comme ça, on a pas vraiment le choix. C'est ça. Parce que regarde ici, sur ce rocher là, on voulait le mettre là. Ouais. Mais sur les on peut plus mettre sur les fondations, les rochers, on peut plus rien faire en fait, ils nous ont retiré trop de droits sur Rust. On peut même plus les mettre sur les rochers. Donc ce qui fait que ben, on est un peu obligé de le mettre en mode un peu clochard, mais bon, pas le choix. Là, normalement, en plus, le fer se cuit beaucoup plus rapidement. On a déjà du fer de métal de haute qualité, donc ça, c'est cool. Ah ben attends, j'en ai 17 sûrement. Donc je suis en train d'en faire cuire. Le fer se cuit plus rapidement, tu viens de le voir, le soufre aussi, donc ça, c'est cool. Il y a tout qui est en train de cuire. Bon, c'est parfait, ça. Bon, on va avoir du fer pour ben, faire tous nos digicodes, on va être comme ça tranquille. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. On a amélioré le dernier étage et on a récolté des ressources. On a crafté ce four et deux digicodes. Ce qui me gêne vraiment, c'est l'emplacement. Vraiment, ça aurait été bien mieux de le mettre sur le toit, mais on ne peut plus. C'est vraiment dommage. Hein. Ça aurait été parfait, franchement. Ouais. Ça aurait été vraiment nickel. Ça aurait fait un toit après, fumé, ça aurait été parfait. Mais bon. Après, de toute façon, il y a un truc à se dire, c'est que quand on va devoir mettre les quarries, est-ce que j'appelle ça les quarries? Les quarries, de façon, on va devoir les placer aussi un peu comme du caca, hein, parce que ça se passe pas aussi bien que ça veut. Donc, avec le terrain, par contre, on va vraiment galérer pour les placer. Hein, ouais, parce vrai. Que déjà, on galère pour un four, alors t'imagines même pas pour les quarries. Ouais, ça va être, je pense, la difficulté de cette base, ça va être le terrain qui est vraiment difforme. Mais ça met un peu de challenge et de défi, mais bon, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, on n'avait pas besoin de ça. Bon, c'est pas grave, on vous laisse, on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, on essaie d'atteindre cette fois-ci encore les 400 likes sur la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, c'est gratuit. Et vous avez encore une fois le lien du serveur dans la description de la vidéo, vous avez l'IP pour pouvoir vous connecter si vous voulez venir y jouer. Et vous avez aussi l'adresse de mon TeamSpeak. Merci à vous en tout cas d'être aussi fidèle à mes vidéos et on se retrouve donc demain pour une prochaine vidéo. Merci à toi Chorito et à la prochaine. Ciao tout le monde, à plus. Bye. Ciao.